Waouh, avec les collines de Yaoundé. Ouh, incroyable. On est à Yaoundé. On est au Cameroun, vous me voyez. On est dépaysé. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de vivre des moments exceptionnels. Je suis dans le complexe Yannick Noah, le village de Yannick Noah, le célébrissime. Mais je vous assure, vous le savez tous, Yannick Noah est devenu chef de village. Alors, je vous présente son village. Vous allez voir, entre piscines, il y a un complexe exceptionnel. Vous-même, vous voyez les maisons, vous voyez des maisons traditionnelles. C'est tellement impressionnant. 125 000 la nuit et puis vous avez donc accès à la piscine. Vous avez accès à toutes les activités comme basketball, tennisball, vraiment. Et les lieux sont vraiment impressionnants. On est dans la ville de Yaoundé comme si on ne l'était pas. On est comme si on était perdu dans un endroit magnifique, décoré, franchement. Vous-même voyez le décor. Je suis très, 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 comment dire, merci à Yannick Noah. Et on a eu, en passant, l'occasion de rencontrer Papa Noah, notre cher papa, qui nous a quittés. Papa Noah, c'est pour tous les Camerounais, c'était Papa Noah, ok? Donc, c'est pas mon père à moi, personnellement, mais parce que chez nous, au Cameroun, on appelle les grands-parents papa. Tout le monde est papa. Voilà, Papa Noah nous a quittés, mais c'est son fils qui a pris l'héritage. Il y a un an ou deux ans encore, je n'avais pas vu... Je n'avais vraiment pas vu comment c'était... Ça, c'est nouveau, ça. Quand j'étais venue ici il y a quelques années, je n'ai pas vu que c'était... ça avait été vraiment embelli entre-temps. Tout a véritablement changé. Et voilà, je vous laisse aller découvrir avec moi ces moments-là. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, là. Ceci a été planté. C'est beau. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Je voulais... Ah, il combat ça. Des pays Bamoun. Très, très beau. Oh, mais alors maintenant, mais toi, tu me poses l'école, toi, là, à cette heure-là. C'est tout. C'est ton pote. Et toi, t'es à Nancy. Alors, la prochaine fois, il faut que tu amènes ton pote Martin ici. Hein. Une spontanéité incroyable. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Tout est indiqué. Vous avez donc les petits décos. On va arriver. Il allait voir le concert de Yannick Noah. Je crois. Oui, il allait voir le concert de Yannick Noah. Joachim, fiston. Yannick. La famille au complet. Ça, c'est Papa Noah. Papa Noah, oui, il est là. Et là, c'est maman. C'est Papa Noah qu'on a rencontré la dernière fois. Et là, il y a maman Noah. Le complexe de Yannick Noah est décoré de plantes traditionnelles. Une piscine, un terrain de basketball, tennisball, etc. Et puis un coin où on peut se prélasser. Les lieux ont beaucoup changé, vu que Yannick Noah est chef de village et désormais installé au Cameroun. Cet immeuble n'existait par exemple pas. Très agréable. D'ailleurs, on est très vite repéré et aussitôt accueilli. Continuons la découverte. You just listen to the words, so you can sing. You can follow. Go. Quite interesting. Yes. I love it. Up to 25 people usually stay. We celebrate with them. Yes. Okay. Up to 25. Okay, on peut faire des petits anniversaires. Up to 25 people.
Wow. Anniversary, birthday. Okay. On est chez Yannick Noah. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Oh, ça fait vraiment envie de vivre dans le pays, le village Noah. Yes. Yeah. Venez, 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 avancez. Et là, ici, là, c'est combien de pièces dedans? Deux chambres. Oui. Et ça dépend. Les deux chambres sont indépendantes. D'accord. Et c'est combien la nuit? 125 000 francs, 120 000. Oui. Ça contient accès piscine, accès salle de gym, accès maintenance. D'accord. Accès, tout ça, accès, ça fait partie de ce package. Bien sûr, de ce package, d'accord. Avec, donc, vous avez des massages également, wow. Vous pouvez voir là. Ouais. C'est intéressant. Mmh. C'est beau, hein? Waouh. C'est très, très beau. C'est wow. Très beau. Waouh, c'est vraiment beau. Je suis impressionnée wow. Parce que la dernière fois quand j'ai été ici souvent, oui. Les dernières fois c'était pas comme ça. La salle de massage. Waouh, ouh oui. Le lézard. Massage. Le lézard. Tu ne vois que le lézard toi. Le lézard. Le massage c'est indépendant. Le massage c'est indépendant. On peut travailler sur le cadre parce que quand on prend une chambre il a trois massages. Waouh. Waouh. I'm amazed. So look. Look at it. So you're welcome here and have an enjoyment. C'est beau. Il est chef de village maintenant. Waouh, avec les collines de Yaoundé. Ouh. Incroyable. On est à Yaoundé. On est au Cameroun. Vous-même voyez. On est dépaysé, tu vois. C'est un peu le concept hein, que je voulais faire à la maison. Tu vois, la petite hutte, oui, tu vois, qui nous dépayse. Ça, c'est ce que nous, on aime, tu vois. Quand on vient ici, c'est... C'est ça. Que... Tu vois, ça donne envie de rester. C'est le repos. C'est le vrai. Il est allé au nord. Il disait qu'il est allé au nord. Il avait dit dans une vidéo. Il est allé au nord pour chercher ça. Il a utilisé les produits du pays pour faire ça. Voilà. Dans son élément là. C'est très beau. Il y a des poissons naturels ici. D'accord. Ça les 150 à tonneau, ça 250. 250 Différentes espèces. Hein. D'accord. Ils arrivent là, ils sont là. Oui. Mais on ne peut pas les pêcher pour les manger et comme. Voilà, on la voit. Ici. Ici, orange. Mmh. Ah oui, je vois. Ouais, je vois. Il est là, il est là. Il est là. C'est beau. Et il y a combien de cases comme ça ici? 14. 14 cases. Donc venez découvrir les lieux, c'est magnifique. Oui, oui, tout à fait. On fait. De toute façon, je crois qu'il en a déjà. Le premier locataire, c'était Amélie Morecmo. Là, il avait habité en novembre. Ah, d'accord. Ah, ok. Juste deux semaines avant la canne. Ah. C'était opérationnel net dans la canne. D'accord. Elle habitait là, dans cette case. C'est après ça qu'on l'a nommé directrice du sport de tennis en France. Elle est repartie. Ah, ok. Les personnalités viennent ici aussi. L'ambassadeur des États-Unis. L'ambassadeur de France, c'est ça. Oui, oui. Waouh. Les Américains sont constamment là. Ici, d'accord. Les Ormeaux sont plus là de plus en plus. D'accord. De plus en plus. Il y a une communauté pakistanaise et chinoise qui est bien représentée. Oui, d'accord. On voit toutes les couleurs. Avant, c'était au départ 80% des Français maintenant. Les Français beaucoup sont en train d'être concurrencés par d'autres. De tous les Indiens, les oui. Américains. Oui, tout à fait. Quand ils viennent vraiment en groupe parce qu'ils n'aiment pas oui. Marcher détaché. Non, non. C'est comme ça. Bon, là, quand même, moi, je venais avec beaucoup de Français aujourd'hui. Oui. Donc, c'est quand même occupé, quoi. Beaucoup d'expatriés. Beaucoup, ils adorent ici. Oui, il y a eu Tony Yoka, le boxeur, il a fait une semaine. Oui, oui. Il y a eu le président de Corps Sportif qui oui. Vient tout le temps, c'est sa maison. Je vais vous faire une petite vidéo oui, pendant oui, que vous parlez. Pendant que vous parlez, ça fait partie du oui, décor. Oui, c'est ce que je disais. Je dis, on a plein de personnes. Oui. Des gens de l'extérieur qui aiment oui. Séjourner dans nos bungalows. Oui. Et je citais comme ça des stars comme Tony Yoka, le président de Coq Sportif, Marc Haribos, oui. Que je rends d'ailleurs. À qui vous rendez hommage, d'accord. Hommage et
Nous avons reçu aussi le président français ici. Ici 26 juillet. Il a dormi ici. 2022. Il devait dormir, mais il est parti vers 1h. Parce que le programme, c'était 3 jours au Cameroun. Oui. Mais il est parti le jour qu'il était ici. D'accord. Mais très tard dans la nuit. Il est parti. Donc c'était un moment de stress aussi. Hein. Trop d'armées, il y avait larmes partout. J'imagine. Non, on a vu ça à la télé. Ça nous est parvenu à la télé. Vers le terrain de basket parce qu'on a fait un dôme. Oui. Mais avant, il y avait des gens où on pouvait aller visiter tout à l'heure la salle de conférence. Qui était en train de faire un colloque sur la garde présidentielle, l'armée personnelle. Oui, on a vu en France. J'étais le seul qui montait, mais oui. Tout le monde. Mais oui, mais oui, clairement, c'est normal. C'est le chef d'État d'un grand pays. Mais après, il était relax, il vous voit dans la foule. Clairement. C'est beau, c'est des paysans. Le bus par le jour, là. Il a même les phares qui arrivent. Ah oui, il y a. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un, une dame qui sort du fameux bus. C'est beau. C'est des paysans. That's why I put in play. You only play sing for 3 or 3 songs. We start at 7 p.m. Yeah, tonight. So today, now, that's why you are putting all this thing. Amazing. Yeah. Soir, alors. On va prendre une belle place. Yeah. Oui. Les trophées. Oui. Thank you. Le régal est absolu. Bâton de manioc et quoi d'autre? C'est quoi? C'est des feuilles d'épinards. Les... Folon sauté. Voilà, le folon sauté. Ce que nous on appellerait donc des épinards. Mais c'est le folon, c'est vraiment des légumes et des épinards du pays et c'est excellent avec un peu de crevettes. Vous voyez, il y a un peu de crevettes là, des crevettes avec. Excellent. Excellent. Et là, vous avez donc du poulet DG. Le poulet DG est un poulet avec qui a été que les directeurs généraux pouvaient se permettre de manger ce repas. Ceci, cela veut dire que beaucoup, le petit peuple ne pouvait pas trop se permettre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a nommé. Le poulet DG. Donc vous avez là-dedans des plantains frits, vous avez des carottes, vous avez des poivrons, du poivron, poulet, enfin bref, vous avez la totale des légumes là-dedans. Un mélange, un pudding de légumes. Et c'est un régal pour les papilles. On est chez Yannick Noah. C'est bon, je fais. Jamafrica. Une autre alors? Ok, d'accord. Bon, si vous insistez. Voilà, Calvin, tu as la parole, tu expliques ton œuvre et ensuite je vais passer. Ok, bonsoir. C'est attaché à cet événement du cinquantenaire de la Mafé. Et également aujourd'hui, il y a eu...